CQ, CQ, CQDX, appel en direction du Québec-Canada, appel en direction de Gilles, 9 Bravo Charlie 555 pour 14 km 3301 Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest de France en mobile. Attention Gilles, attention 9 Bravo Charlie 555, attention de Québec-Canada pour 14 km 3301 Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France. Eh bien c'est pas gagné. Je dis ça mais... Surtout tout à l'heure il va m'arriver plein pour... C'est vrai qu'il est sorti aujourd'hui, mais bon, je ne sais pas si là, il est de retour. Puis avec les températures hyper froides qui tombent dans les moins 40 aujourd'hui même là-bas, ça a de quoi refroidir les neurones. CQ, CQ, CQDX, appel en direction du Québec-Canada, appel en direction de 9 Bravo Charlie 555, de la part de 14 km 3301 Rémi, qui lance appel en mobile depuis le sud-est de France, du côté de Saint-Émilion. Attention, 9 Bravo Charlie 555 pour 14 km 3301 Rémi qui t'appelle depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde en mobile. Il est là. Les 73-51 toi, c'est très QRP là de mon côté. Là, je suis sur la route du pro. Hein. Ouais, voilà, je viens de démarrer à l'instant de la maison. Ah ben, vu que la station est en émission est en QRT, vu le souci que j'ai au QR1, et vu que j'étais pas mal occupé là tout à l'heure et tout ça, j'ai pas allumé le poste à la maison. Donc là, je découvre juste là maintenant ce qu'il y a sur les ondes.
Eh bien, je vais essayer de voir le problème qu'il y a au QRA demain, puisque bon, bah, là, je n'ai pas eu le temps de regarder quoi que ce soit. Donc, demain après-midi, je vais essayer de regarder ça et tout, ça. C'est vrai que je ne comprends pas ce qu'il y a. Et puis d'un coup, hein, c'est arrivé. J'ai rien touché, j'y suis pour rien. Alors, comment vas-tu, toi? Ça va, ça va avec les moins 40, là, de ton côté, hein? Ah, j'ai du mal à te sortir là, j'ai du QRM. Va falloir que je me mette un haut-parleur avec filtre DSP là dans la voiture. Je suis tellement habitué maintenant. C'est vrai qu'en ce moment je ne fais pas beaucoup de radio en mobile. Du coup j'ai vachement pris l'habitude là, du QRA. Et là ça me crépite dans les oreilles. Ouais, aïe 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 aïe. Ouais, il va falloir qu'un jour ou l'autre que je m'achète un haut-parleur avec DSP intégré dedans. Ah ben en tout cas là j'espérais bien t'avoir aujourd'hui, ça y a pas de problème. Et là je suis en train de faire une vidéo là de mon côté et en mobile. Voilà, ça me change un peu, et l'autre là, et là, quel connard, ah putain, hey, j'ai les gens sur la route là, c'est du grand n'importe quoi sans déconner avec des voitures qui arrivent en face, ça double quand même. Ouais, là je crois qu'on s'est surmodulé, là je sais pas, ou alors j'ai eu, je sais pas, vu que tu as repris le micro avant que je relâche le mien, je sais pas, j'ai pas compris du coup. Ok, voilà, est-ce que ça va mieux là comme ça là? Bon d'accord, j'étais sur la position 4 de l'Alpha Lima, je suis passé en position 5, mais je n'irai pas sur la position 6, car la position 6 dessus, c'est elle qui me crame l'ampli. Donc, je reste sur la position 5. D'accord, ok, bon, tant mieux alors. Ouais, ben oui, voilà. Puis en plus, alors tiens, puisque là je t'entends vraiment bien, alors as-tu trouvé le bon réglage et tout, tout ça là pour le filtre DSP là de ton côté? Est-ce qu'au niveau de tes oreilles là ça va beaucoup mieux? Ouais, ça va beaucoup mieux. D'accord, et le petit bouton blanc là-dessus à droite, tu l'as mis sur quelle position? Sur deux? Seulement sur deux? Mais chez moi au QRA, il est mis sur 5. Autrement, c'est vrai que quand on le pousse à 7, ça fait comme si on avait la tête d'un aquarium. Ah, chie trois coups. Mais autrement, oui, chez moi, je l'ai mis sur 5. Hein. Et toi, sur 2. Mais sur 2, t'as énormément de bruit dans le haut-parleur encore qui passe. Ah, chie trois coups. T'as pas des ballons? Attends, je suis en train de faire le tour d'un rond-point. Voilà, et puis j'ai le GPS qui me parle en même temps. Là, je vais être en fréquence pendant un petit moment, là, quand même, là, sur la route. Puisque je m'en vais... alors, je suis à côté de Saint-Émilion, ok, ça, tu le sais.
et je m'en vais de l'autre côté de Bordeaux. Donc il va falloir que je fasse une bonne partie du tour de Bordeaux. Là, ça va être compliqué au niveau radio de ce côté-là. Mais là, je vais être pendant un bon moment là en fréquence, là sur la route. Ah oui, je suis dans une vallée là, c'est vrai, j'ai Saint-Émilion là qui est sur ma droite. Tu pourras voir ça sur la vidéo, non, tu verras peut-être pas trop bien sur la vidéo. Mais j'ai Saint-Émilion qui est sur ma droite et j'ai toute la colline et tout là qui me cache de toi. Et là, je suis en train de passer entre les maisons. Donc là, il y a des chances que tu m'entends plus. Là, voilà, là, ça doit commencer à remonter un petit peu là de suite. Oui, 100% QSL, mais je les entends aussi, hein. Je les entends aussi, les autres stations là qu'il y a à côté, là. Ah, c'est toujours les mêmes, hein. Voilà, alors je suis en train de monter là en haut d'une côte. Alors attends, voilà, que ça approche, change pas de main, change ça vient. Voilà, là ça doit passer beaucoup mieux là de suite. Oh la vache, je te surmodulation, plus de QRM électrique et tout. Au secours, il me faut un haut-parleur avec filtre DSP intégré. Là, il y a urgence. Alors, tu me demandes si j'ai fait quelque chose à la radio aujourd'hui ou si j'ai regardé la radio aujourd'hui, au QRA, quoi, autrement dit. Non, j'ai rien fait là aujourd'hui de ce côté-là, j'ai vraiment pas eu le temps. J'ai eu trop de messages là sur Internet, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur le forum de la planète Sibi francophone, que ce soit sur Telegram, sur YouTube aussi, il y a des messages. Donc là, j'ai mis la priorité là-dessus, priorité aux copains. Donc je regarderai demain ce qui se passe au niveau de mon poste là au QRA. As-tu écouté la... Oui, t'as écouté la vidéo que j'ai mis en ligne hier. Alors tu en penses quoi? J'ai pas mal coupé, hein. J'ai énormément coupé au niveau porteuse et tout là dans la vidéo d'hier. Hein. Ok, bon, tu auras 100% en écoutant la vidéo. Ah, j'ai trois coups. Alors attends, je monte. Je suis en train de remonter une autre petite colline. Voilà, ok. Ouais, je disais donc, là je suis en haut d'une autre colline. Je disais donc que tu as écouté la vidéo d'hier, comme tu m'as mis en message. Alors dedans j'ai énormément coupé de porteuses et tout, hein, qu'il y avait dedans, hein. Alors c'est pas compliqué, j'ai bien enlevé bien 20 minutes de vidéo là dans la mienne d'hier à cause des porteuses, trucs comme ça qu'il y avait dedans, quoi. Ah zut! Ah dommage que tu me l'as pas dit plus tôt!
dis, hé, frangin, là, tu déconnes. Si tu fais des trucs, justement, qui auraient pu être super sympas, ben oui, tu m'étonnes, je l'aurais intégré dans une fenêtre à côté. Oh putain, tu vois, j'ai tout de suite les idées là qui m'émergent. Vu ce que j'ai fait en plus, moi, sur la mienne hier, j'aurais mis une autre fenêtre à côté, ou alors en haut à gauche, dans la fenêtre que j'ai mis là avec l'image fixe, j'aurais mis ta vidéo dedans, ça aurait été super cool ça. Ah, va falloir qu'on refasse ça, parce que là, pour le coup, je suis frustré là. Ah, j'ai trois coups. Ah oui, va falloir qu'on fasse un truc comme ça, il n'y a pas de problème. Ça doit être le froid qui congèle les antennes de ton côté. Ouais. Bon, là, c'est vrai que là, je suis en train de rouler, c'est pas évident. Hein. C'est vraiment pas évident et tout ça. Et là, ça fait les yo-yo. Je suis en ville. J'ai beaucoup de QRM électrique aussi par la même occasion. Mais bon, j'arrive à te sortir quand même hein, de mon côté. Il n'y a pas de problème. Je disais qu'il faudra qu'on arrive à se faire ça, à jumeler les vidéos. Hein. Oh, mais c'est Isabelle! Alors, Gilles, si j'ai bien reconnu, voilà, c'est Isabelle, les 88 Isabelle de Rémi. Voilà, alors Gilles, c'est notre secrétaire à RCKM, c'est-à-dire Kilomike. Voilà, donc c'est notre secrétaire que tu as là en fréquence. Oui, je crois l'avoir. Il me semble avoir reconnu sa voix. En tout cas, si c'est pas elle, c'est sa voix qui est à la place. Oui, je crois que c'est Isabelle. 14 kilomètres, 33. Et là, j'ai oublié le numéro 08. Je sais plus le numéro. Si c'est bien Isabelle, c'est notre secrétaire à RCKM, c'est-à-dire au groupe Kilomike. C'est notre secrétaire. Ok, 14 km 33-09. Voilà, 14 km 33-09. Si, allez, je l'entends, je suis heureux. Je suis le plus heureux des hommes. Ouais, je te disais donc, apparemment, t'arrives pas à l'entendre aujourd'hui. Donc, c'est bien elle, c'est notre secrétaire, là, qu'on a dans le groupe Kilomac, autrement dit RCKM. Alors attends, je lui repasse le micro. Vas-y, voilà, je suis sur un pont. Vas-y Isabelle, pour Gilles. Affirmatif, je suis sur la rocade de Libourne actuellement. Voilà, je suis en plein sur la rocade de Libourne et tu passes. Moi aussi, hein, j'ai énormément de surmodulation, mais une YL au milieu d'un OM, forcément, on arrive à la sortir du lot quoi, au niveau écoute. C'est très vrai en plus. Je suis en train de faire une vidéo là et voilà, je viens de passer sur la pompe. Je suis en train de faire une vidéo. Si je peux la travailler cette nuit, ça sera nickel. Je la mettrai en ligne demain. Puisque là où je vais, je ne sais pas du tout là à quoi m'attendre. Alors Gilles, je fais un retour de micro à Gilles. As-tu entendu Isabelle derrière, malgré toutes les stations qui sont en fréquence?
Oui, c'est avant-hier, c'est ça, c'est avant-hier. Elle vient te murmurer à l'oreille et tu la vois pas. Ah là, Gilles, tu déconnes. Là, t'es passé. Là, tu déconnes, là, Gilles. Là, ça le fait pas, Gilles. Pas une YL qui va te murmurer à l'oreille. Non, Gilles, là, ça va pas, là. Le retour Isabelle. Ouais, retour Isabelle. Ah, je l'ai perdu. Voilà, je viens de passer sous un autre pont. Je l'ai perdu là, Isabelle, là pour le moment. Mais quand je vais arriver là sur le bout de la rocade, là je vais être sur un pont. Là, ça devrait le faire. Juste le temps du passage du pont, là, ça devrait aller. Oh, y a ce bordel derrière. Voilà, je vais commencer à grimper. Alors 17h26, voilà, il est 17h26 là ici. Voilà, je suis en train de grimper. Voilà, Isabelle, voilà, je suis sur un pont là. Retour de micro à toi, Isabelle. Oui, je t'ai entendu, Isabelle, quand j'étais sur le pont. Hein. Tu es derrière nous, mais essaie de passer un peu devant quand même. C'est pas parce que tu es YL que tu dois rester derrière nous. Ah, chier trois coups. Voilà, je suis sur la nationale. Qu'est-ce que je fais, moi? Je suis en 6e, je cherche à passer la 8e. J'en ai pas. Oui, je suis sur la nationale 89, là, maintenant. Là. Ben, retour de micro à Gilles. Oh, ça marche bien, ça marche bien. D'accord, l'écho est trop fort, c'est ça? Alors, si l'écho est trop fort, alors qu'il est au minimum, c'est ma grande gueule qui est trop forte. Non mais c'est normal, j'ai mis de l'écho au niveau de mon poste. Voilà, je suis là sur le président Lincoln 2. Je suis sur le président Lincoln 2 et j'ai mis le. Il y a l'écho qui est derrière, qui est sur la position 1. Cool. Attends, je suis en train de passer dans une vallée. J'ai pas eu Roger, j'ai pas eu QSL de ce que tu m'as dit là. Ok, je disais donc que moi, au niveau de mon président Lincoln 2, j'ai l'écho qui est mis et il est sur la position 1. Donc c'est normal si tu entends un écho, un petit écho derrière. S'il est trop fort, alors faut que j'apprenne à parler moins fort dans le micro.
Alors 14 km 3309. Voilà, c'est 14 km 3309. Voilà, c'est j'ai pas fait de nouvelles boulettes, Isabelle, c'est bien ça, c'est 09 derrière. Je sais plus. Si, c'est 09. Oui, je n'entends plus là. Voilà, je suis là sur la grande route, là entre Libourne et Bordeaux, là, c'est-à-dire la nationale 89. Voilà, je suis là, je suis à mi-chemin là, à peu près là. Pourquoi je reste à... Voilà, attends, j'accélère un petit peu. Voilà, je suis là pour le moment, je suis en plein en direction de Bordeaux là. Ah la vache, c'est bruit là qui m'arrive là. C'est wow. Ouais, va falloir que je, comme je disais tout à l'heure, que je pense à me mettre un haut-parleur DSP dans la voiture. C'est vrai que là, c'est en train de me fusiller les tympans là. Wow, ça a baissé là. 7h30. On est décalé. Ouais. Il a une station locale. Nous perturber les oreilles. Ah, il est facile à reconnaître lui avec sa façon de siffler. Ouais. C'est aïe aïe. Bon là je vais arriver, là j'arrive en haut d'une côte. Ah non, tu m'as dit qu'il y avait une station locale. Désolé si j'ai un peu perturbé là. Ok, désolé si j'ai un petit peu perturbé, j'avais zappé là à l'instant que tu étais en train de parler avec une station locale. Là, je suis en haut d'une colline, je m'apprête à descendre dans une grande vallée. Enfin, dans une vallée, n'importe quoi. Je m'apprête à descendre dans une vallée. Le temps de passer la vallée, je te reprends de l'autre côté, car je suis pas sûr que ça passe vraiment bien là dans le trou. Hein. Ah ben oui, je suis toujours là, je suis en plein dans la vallée, je suis en plein dans le trou. Affirmatif, ben toi, je pensais pas que ça allait passer là ici. Oui, oui, ça passe. Ok, j'ai pas eu QSL celle de tout, mais j'ai compris. Ok Gilles, tu me dis que là, la propague est pas loin de se fermer. Il n'y a pas de problème, j'ai de la vidéo de mon côté. Je vais voir pour travailler ça cette nuit, si je peux. Parce que là, je sais pas comment ça va être, moi, au niveau du travail, là, pour cette nuit. Je n'ai aucune idée. Ce sera surprise, surprise en arrivant. Et dès que de toute façon je serai prêt de mon côté au niveau de la vidéo, pas de problème, je mettrai ça en ligne. J'attends aussi les vidéos de ton côté là sur le serveur, il n'y a pas de problème Gilles, je récupère ça demain.
Ok Gilles, en espérant que tu m'entendes encore, Neighbor 73 51 à toi, 212 QRA, et à tout à l'heure autrement, sinon à demain. Attention Houston, nous avons perdu le Québec. Isabelle, je suppose que tu es derrière la porte. Là, j'arrive sur Artigues. Ok, je t'ai entendu, mais c'est très très QRP. Hein. Là, je suis toujours en train de faire une vidéo. C'est vraiment du QRP. Le signal, il est parti dans l'autre sens. Radio de Une. Heureusement que t'es une YL avec une voix d'YL, H-I trois coups, parce que sinon là derrière, je suis même pas sûr que je t'aurais reconnu. Ouais. Voilà, là je suis en train d'arriver en plein là, dans la zone de QRM là, d'Artigues, 13, Ibrac. Voilà, là je suis dans le virage. Là aussi limité à 90 là, de ce côté-ci. Voilà, je suis là de ce côté-là. Alors quand je vais être sur la rocade, là par contre, il faut que je prenne la rocade en me dirigeant vers le sud. Là, de ce côté-là, c'est même pas la peine, même pas en rêve. C'est je resterai en stand-by de mon côté, certainement jusqu'au pont en bas pour traverser la Garonne, où là je reprendrai le micro. Toujours là Gilles, voilà, je suis en train d'arriver sur Bordeaux. Ah, je pensais pas t'entendre à nouveau, je m'attendais à trouver 3 tonnes de QRM là ici. Et puis en fin de compte là pour le moment ça va. Là je suis juste à l'est de Bordeaux, en banlieue de Bordeaux, là je suis là. Ok d'accord, putain la vache, il y a du bruit là sur la fréquence. Voilà, là je suis arrêté là, un feu tricolore là, voilà, on commence à repartir. D'accord, et bien du coup là quand je t'ai entendu appeler, j'avais arrêté aussi la vidéo de mon côté le temps 2. Et puis là quand je t'ai entendu appeler, hop là, vite on redémarre tout. Alors il y en a qui vont être contents puisque c'est vrai que j'ai eu plusieurs messages déjà de stations qui préfèrent quand je suis en mobile. Et zut, attends. Alors attends, d'accord, ok, merci. Voilà, ok, j'avais oublié de tourner, j'allais oublier de tourner moi pour un peu là. J'allais faire un tout droit sur la route, dommage. Les modes 73, alors là je suis sur le périph, pas sur le périph, sur la rocade de Bordeaux. C'est la rocade périphérique de Bordeaux et la banlieue. Voilà, là je suis en plein dessus en train de me diriger vers le sud. Les modes 73, 51 toi, amuse-toi bien. Et ok pour les vidéos qui sont en train de se charger sur le serveur, il n'y a pas de problème Gilles. 212 88 à Nathalie. Amuse-toi bien, à plus !
Merci Frangin, à plus, amuse-toi bien. Alors malgré le bruit que j'ai de mon côté là ici en fréquence, au niveau local ça a l'air d'aller. Hein. Je m'attendais à plus de QRM. Isabelle, est-ce que tu es toujours derrière ou t'es passé devant? Alors attends, j'ai un petit millimélo dans ma tête. T'es en train d'envoyer les vidéos ou t'es en train de faire une nouvelle vidéo? C'est peut-être les deux. Il y a peut-être les deux. Si tu fais une nouvelle vidéo, ben, tu la mets dans un nouveau dossier que tu envoies. Parce que tu ne peux pas l'ajouter au dossier qui est déjà en cours de téléchargement. Ça ne marche pas, ça. Si tu es en train de faire une nouvelle vidéo, oui, il faudra que tu la mettes dans un nouveau dossier pour l'envoyer. Maintenant, je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que tu m'as dit. Alors, je suis en train de descendre, je descends de la montagne. Là, si tu me perds en fréquence, ça sera complètement normal. Je suis en train de me diriger dans une cuvette, dans une vallée, en me dirigeant vers le sud de Bordeaux. De toute façon, tu verras ça sur la caméra, puisque là, je suis dans le push, et tu verras ça sur la route. Alors, l'antenne de Bouillac, en haut à gauche. Ah, là, ça passe plus. Attention, Houston, je crois qu'on a perdu le Québec, c'est possible. Le pont François Mitterrand, voilà. Ouais, attention Isabelle, attention 14 km 3309 pour 14 km 3301 qui te lance appel depuis le pont François Mitterrand. Attention le Québec-Canada pour 14 km 3301 Rémi depuis le sud de Bordeaux. Où ça marche bien, où ça marche bien, je t'ai entendu Frangin. Putain, ça faisait longtemps que j'étais pas venu de ce côté-ci, là, sur Bordeaux. Ah, ça va, ça roule bien. Il y a du monde, oui, mais ça roule bien, ça va. C'est tout cuiro, là, de mon côté, là, sur la route. Peut-être un peu trop cuiro, même. Puisque je suis censé embaucher à 19h, et là, il est 17h45. Oups, comme dirait l'autre. Eh bien, c'est pas bien grave, j'aurai le temps de faire de la radio comme ça. J'ai été puni hier à cause d'un souci au QRA, du souci que j'ai au QRA sur la station. Là, j'en profite pour être au micro. Et le plus dur, ça va être de lâcher le micro. Ok, d'accord, ok, ça marche. Alors là, je suis là sur la rocade de Bordeaux, sur le sud de Bordeaux. Voilà, alors attends, qu'il ne me fasse pas un coup de jambon, l'autre à ma droite, c'est bon. Voilà, d'accord, ok, eh bien, va noyer les bouches. C'est vrai que là, il a commencé à y avoir des odeurs là de mon côté, là, c'était pas cool. Bon alors, puisqu'il faut argumenter pendant que la vidéo tourne de ton côté, H3Co,
Alors, côté température, ici, eh bien, j'en sais rien du tout. Bon, il commence à faire un petit peu frais. Mais de toute façon, par rapport à chez toi, c'est au-dessus de zéro, ça c'est sûr. Côté WX, eh bien c'est moutonneux. C'est un mélange de pas mal de nage, de nuages, c'est gris, oui, mais éparse. C'est ça va, c'est ça va, on va pas, c'est pas là qu'on va bronzer, là c'est clair. J'en suis au niveau de la route, non c'est encore bon. Donc là, je m'en vais du côté de Sestas. Voilà, si tu regardes sur une carte, c'est à l'ouest, sud-ouest de Bordeaux. Voilà, de ce côté-là, là, c'est... je ne sais pas trop bien où c'est, là où je vais. J'ai la côte qui parle seule, là, qui est en route, le GPS qui est en route. et l'autre, là, qui ne regarde même pas dans ce rétro. C'est bon, ça va, t'es content? Ça, c'est dans la vidéo. Voilà comment roulent les Français. C'est super, c'est génial. enfin, entre guillemets. Bon, attention Isabelle, 14 km 33 09. Daniel, 14 km 33 06 pour 14 km 33 01, qui vous lance appel? Bon, habituellement, il y a toujours des kilomètres de partout sur la fréquence. Là, par contre, c'est plus le cas. Bon, je pense que... Ah ben oui, en plus, tu m'as dit que là, tu es parti prendre la douche et que tu laisses la caméra tourner. Ah, super, ça veut dire que je vais avoir beaucoup de travail dessus, de découpe à faire. Ah, c'est la fête. Bon, c'est pas grave. Ça ou faire autre chose. Faire autre chose. Tagada, tagada, tagada. Ah bah tiens, ça m'inspire ça. Bon, alors ici, c'est toujours autant la joie des QRM. Je suis où? Oula, non, je ferai pas chanter plus tard, ça c'est certain. Alors, je suis. Ah, faut que je prenne. Ah ben, faut que je prenne cette sortie. C'est celle-là, c'est pas celle-là. C'est celle-là, c'est pas celle-là. C'était pas celle-là. Faut que je prenne la sortie suivante, apparemment. Non, pas encore. Ça va être l'autre d'après. J'entends des stations qui doivent être vu la porteuse qui a fait la porteuse, vu le signal qu'il y a derrière, ça doit être en AM qui est du monde. Alors, j'en suis où? Dans 1,2 km, ok, d'accord. Bon, ben comme ça, je fais voyager un petit peu tout le monde. Tellement bien que devant moi, j'ai un camion, un SMI de Roumanie. Ah ben tiens, eh ben il va faire comme moi avec marqué Spain dessus. Bon, j'ai pas tout compris. Alors la plaque est roumaine, le camion est espagnol et il faut que je me mette à droite. Et là il rentre chez lui vu la route qui prend. Ah, raté. Ah d'accord. Bon, attention, les Tanans du Québec. Est-ce qu'il y a du monde en fréquence derrière? Tiens, 9 Alpha Lima 001. André, est-ce que tu es derrière? Ou alors tu es parti plus haut? Je
j'entends du monde derrière moi, mais j'ai l'impression que ça vient plus du Brésil, de ce côté-là, de ces environs-là, mais pas trop plus au nord, où là, putain, la vache, la température aujourd'hui. Quand j'ai vu ça à la télé, moins 41 degrés, là, au journal de 13h, wow, ah, ça jette un froid, ça, il n'y a pas de problème, c'est au secours, hein. Cette morsure du froid que ça doit faire, moins 41 degrés, la vache. Putain, là, faut pas aller avec une voiture électrique là-bas, ça c'est clair. Qu'est-ce qui se passe? Ah, oh putain, il y a une maille à l'endroit, une maille à l'envers au niveau de la circulation. Au secours, au secours, au secours. Je vais mettre quand même sur la file de droite. Voilà. Alors, je suis du côté pas loin de Gradignan, de ce côté-là. Vu le panneau que j'ai vu. Voilà, allez. Ah, il doit avoir froid. Il n'a même pas l'équipement pour. Alors là où je suis, je crois que c'est limité à 130. Bon, je suis pas pressé, je suis en avance. Putain, mais oui, je suis trop en avance, ouais. Bon secours. Il est 17h53, là, ici. Eh bien, pour embaucher à 19h, c'est sûr que là, je vais pas louper le coche. Il faudrait vraiment que je sois le plus gros de la Terre. Ah non, c'est 110, ici. Je crois que c'était 130. Non, 110, et je suis à 90. Il faut que je sois vraiment le plus con de la Terre, là, pour louper le coche, là, pour embaucher à 19h. Alors, 1,4 km, prochaine sortie. Non, sortie que je dois prendre. Ok, ça va le faire. Bon, ben, je verrai bien depuis là-bas ce que ça va donner, là, sur les ondes. Alors 800 mètres d'après GPS, 900 mètres d'après le panneau. On se croirait un comptage de grévistes. Alors, pour le GPS, je devrais déjà être sur la sortie. Ah, voilà. Ok, je sais pas si t'es toujours derrière Isabelle, mais là j'ai sorti là, de la voie rapide. Là, je suis direction Cestas. Voilà. Gilles, je sais que t'es pas derrière, mais vu le monde que j'entends en fréquence, eux, ils vont te la réchauffer la neige, le froid là qu'il y a de ton côté. Achille trois coups. Cestas. Bon, je viens d'arriver à Cestas. Bonjour les QRM. Alors, je dois aller où? Oh, mais c'est par là que, de mémoire, qu'on va à Radio Broc. C'est un salon radio, Gilles, qui a là de ce côté-ci. Isabelle, je sais pas si tu es derrière. Quoique, avec les QRM que j'ai là ici, je ne suis pas sûr qu'en te repassant le micro, ça fasse grand chose. Allô, fréquence, qui t'a pour les bataille. T'as par contre les dodanes par ici, ils aiment ça. Hein. Marche, vous êtes.
Oh, j'ai l'air con, moi, à parler tout seul, comme ça, quand même. Remarque, j'occupe la fréquence, hein. Ah, ça, c'est clair. Comment il m'arrive là? Wow! Ça envoie, ça envoie, ça envoie. Ah, pas trop signal, mais au niveau gueule, ça envoie en tout cas. Bon, là, je suis dans les voies de Cestas. Je me balade. On dirait qu'il y en a un qui est pas content là derrière, je sais pas là. Il y a peut-être des problèmes de digestion. Sur la 30, c'est que il doit y avoir du passage de niveau, des trucs comme ça par là. On marque dans les bois s'il n'y a pas des animaux. C'est une autre faune qu'il doit y avoir. Attention, le Québec-Canada pour 14 km 3301 Rémi qui lance appel depuis le haut d'un pont, un pont de chemin de fer. Zut, trop tard, je redescends. Ah bah d'accord, je tombe à un stop. Bon d'accord, je le marque. Hein. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Si, des rails où il n'y a plus de circulation de train depuis des lustres. Comment dire, chef docteur? C'est grave, docteur? Hop. Mais comment voulez-vous en placer une avec des excités pareils? Aïe. C'est en même temps pas simple et plus compliqué. Ça c'est fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Le traducteur Google, traduction s'il vous plaît. Está chegando, está muita gente falando, não dá para entender.
non, je suis même pas sûr d'être dans la bonne rue. Non, pas sûr du tout. Non, non, non. Attention, 14 km 33 09. Pour 14 km 33 01, Rémi, qui en s'appelle? Bon, de toute façon, dans une zone de 100 km aux alentours, je suis au bon endroit. Mais trop en avance. Ça va, c'est assez précis, 100 km aux environs. Tiens, je vais me mettre ici. Voilà. Bon, ben, je vais quand même arrêter la vidéo. Hein. Un petit tour. Là, il y a moins de monde. Alors, j'ai remarqué ça plusieurs fois. Il y a plus de monde sur la fréquence des talents que ici. Là. Ah, le Québec! Ah, ils sont appuyés sur le coup là. Attention le Québec-Canada pour 14 km 33-01. Rémi sur le sud-ouest de France à côté de Bordeaux en mobile. Je sais pas si vous m'entendez le Québec-Canada, là j'ai entendu un passage et puis là c'est complètement surmodulé par... y a beaucoup de monde sur la fréquence. En tout cas si vous m'entendez le Québec-Canada, les 73-51 à vous, 14 km 33-01, Rémi, Dandy 33 en mobile, juste à l'ouest de Bordeaux. Oui, affirmatif, je me copie les 73-51 à vous, de la part de Rémi, 14 km 33-01, Rémi en mobile, sur le sud-ouest de France, le département de la Gironde, à côté de Bordeaux. Il y a énormément de monde là en fréquence, c'est très compliqué, j'arrive plus à vous sortir du tout. Les 73-51 à vous, et restez au chaud vu le froid qui fait chez vous. Ça je crois que ils l'ont bien compris. Oh là là, c'est quelque chose de... Bon, on verra ça plus tard.